Bonjour les amis, voilà encore une autre vidéo faite par hashtag partage. Donc ici, je vais vous raconter l'histoire d'un très grand homme qui a créé une très grande marque et qui raconte une très grande histoire autour de tout ça. C'est Nike. C'est l'histoire d'un grand succès. Et on va voir ça sous plusieurs aspects. C'est un très grand homme. Et on va entrer tout de suite dans le sujet. Ça, c'est la couverture, c'est mon PDF. Donc, il y a bien entendu des flèches, cliquez dessus et vous allez être envoyé, redirigé vers ici, vers ma chaîne pour savoir ce que je fais habituellement. Mais bon, voilà, ici, on va passer à la page suivante, c'est toujours l'éditorial. J'ai finalement modifié la faute que j'avais ici, le monde au lieu du monde. Et puis que là, je raconte l'histoire de tous les problèmes que rencontrent les professionnels du web marketing qui veulent absolument avoir seulement du trafic qualifié qui achète chez eux et les autres ils n'en veulent pas et c'est normal. Et là, je raconte les difficultés que rencontrent les futurs web marketeurs qui vont bien entendu acheter chez des formateurs qui ne leur servent à rien, donc il faut qu'ils trouvent aussi des professionnels qualifiés qui vont bien entendu les accompagner jusqu'à ce qu'ils arrivent à bon port, et là ils vont commencer à gagner de l'argent, etc., etc. Et puis un dernier paragraphe où je raconte qu'il y a beaucoup de, bien sûr, de solutions. Donc là, je vais passer à la page suivante, c'est seulement pour la présentation. Là, je suis dans Nike. Donc là, vous allez voir la fabuleuse histoire de Nike. Là, c'est un article, les premiers pas de Nike dans l'athlétisme. Ici, là, vous voyez que là, lire la suite, donc vous pouvez cliquer ici, vous êtes automatiquement redirigé dans un site qui va vous raconter énormément de choses sur Nike, sur ce qu'il fait, tout ça. Et puis, vous avez ici un deuxième article, un troisième article, quatrième et cinquième article, donc là où il y a des faits, c'est-à-dire qu'il y a des suites. Vous cliquez, vous allez dans Nike ou l'histoire d'un géant du sport. La stratégie de développement Nike leader sur le marché de la chaussure de basketball aux États-Unis. Comment reconnaître de fausses Nike? Logo Nike, origine et histoire d'un logo iconique. 10 choses de Nike que vous ignorez. Donc, ça, c'est seulement des articles. Il y a un article et puis 5 articles, ça fait 6. Et là, nous avons carrément 2, 4, 6, 8, 10. 10 vidéos et qui racontent bien sûr à leur tour comment Phil Knight a créé Nike, etc. Pourquoi machin chouette, etc. etc. C'est chaque fois que vous allez cliquer sur une vidéo, ça va vous reconduire vers YouTube. Et vous allez rencontrer, bien entendu, une belle histoire et tout ça, et tout ça. Bien entendu, ça finit avec une publicité de Nike avec Ronaldo ici. Alors, si je vous mets ça sous le nez, c'est pas pour vous raconter seulement Nike, je raconte pas seulement Nike, je raconte l'esprit d'un entrepreneur qui a réussi à installer bien entendu son idée et qui a conquis un empire immense. C'est pour vous inspirer de ça. Vous êtes là pour gagner de l'argent, alors il faut bien entendu lire des cas d'études, des études de cas ou des cas d'études, j'en sais rien, mais qui vont vous mettre la puce à l'oreille comme quoi devenir entrepreneur c'est pas facile, hein. Donc il faut être vraiment plein d'imagination, il faut travailler, il faut faire énormément de choses,
Et là, il y a plein, parce que nous avons un article, 5 articles, ça fait 6 et 10. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre ici. OK? Voilà. Donc, ça, c'est le principal de la de ma vidéo. C'est pour ça que je sors aujourd'hui cette vidéo, pas pour autre chose. Moi, je vais vous envoyer, en plus de ça, je vais vous envoyer des choses que j'ai déjà publiées. 2 pages avec beaucoup de vidéos que j'ai déjà publiées et qui vont vous servir quand même à revoir ça dans les cas où vous les avez ratés ou bien pour ceux qui n'ont pas eu, bien entendu, les nouveaux qui n'ont pas eu la chance de tomber sur ça. Donc, une avec Elon Musk et l'autre avec 15 heures de formation intense sur différents sujets. Ok? Donc, voilà. Alors, je vous souhaite bon visionnage et à demain!